Léo, Ben, Livio sont les supporters du Stade Toulousain. Ils sont chez Léo. Et je te présente Manoa, Gabriel, Théo, Nicéa, les supporters de l'UBB qui sont avec nous ce soir. Donc vous pouvez faire un petit coucou, vous pouvez vous serrer la main à distance. On a la chance de recevoir deux familles à qui on va faire découvrir les coulisses du match par l'intermédiaire de nos robots de téléprésence. On espère que vous allez vivre une très belle expérience, les gars. Et on espère que l'UBB va gagner. Ah bah bien sûr, bien sûr. Et c'est parti. Ce sont en général des enfants qui sont malheureusement gravement malades, des pathologies plutôt longues pour lesquelles on arrive à leur proposer de s'évader un petit peu de ce quotidien très compliqué. Ça, c'est un de mes moments préférés. Approchez-vous, les gars. Il va être assis là, Damien Penaud. Avec un ordinateur, on leur permet de prendre la main sur les robots qui sont déployés au sein du stade et ainsi de découvrir les coulisses. On a commencé par visiter les vestiaires de chaque équipe. On a aussi pu voir le bouclier de Brennus, le trophée qui sera remis ce soir au vainqueur. Allez, super sourire les gars, on est avec le Brennus. Salut les garçons. Ça va ? Salut les garçons. Vous allez pouvoir faire l'échauffement avec les joueurs. Ok. Allez, on y va. Ils pilotent le robot avec l'ordinateur sur lequel ils ont téléchargé l'application qu'ils ont besoin d'utiliser pour piloter les robots. Et à ce moment-là, ils ont une vraie impression d'être en pleine immersion au sein de l'événement et ainsi participer pleinement comme s'ils étaient physiquement avec nous. Bonne chance ! Allez, bon allez, bon nous. Allez, bon c'est incroyable. Il y a même Anthony Pont qui m'a fait coucou. Tout simplement, on vit un moment incroyable. Le fait de leur proposer cette immersion au sein d'un événement, encore une fois, comme la finale du Top 14, reste des moments magiques pour eux. Vous avez passé un bon moment avec les joueurs, avec nous au stade Vélodrome, c'était bien ? Ouais. Bah en tout cas, nous, on voulait surtout vous remercier. On vous souhaite une très belle finale et que, évidemment, que le meilleur gagne. Ouais.